imaginez, regardez les amis qui fait arrêter les gars, les filles, bien dans la prison. Live de la brigade anti-sardinale du Mouké. Nous sommes dehors Cameroun, pour manifester. Alors, les amis nous disent d'accepter que Paul Biya prenne Maurice Kamto pour le mettre en prison. Nous ne pouvons pas l'accepter. Donc, il y aura des gens qui vont parler. Bien entendu, le général, le caporal Crier, le chef de la base, qui est ici, à qui j'invite devant vous. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Caporal Crier! Lui, nous lui avons donné le titre de général, il a refusé. Il préfère son titre de caporal. Caporal grillé. Il a ajouté caporal grillé. Tout à l'heure, il va certainement faire un petit moutoumbou. Et comme vous le savez, il est pas wowo. Partagez les gars, partagez les gars. C'est lui, la seule personne qui a déterré le nombril de Paul Biya à Genève. Partagez les gars, c'est grave à Londres. Londres est sorti. On l'a démystifié. Londres est sorti. Non, non, il a démystifié là où Biya avait enterré son Gambi. On a passé le Panarin. Non, là c'est pas tout. Il est allé sous la montagne où Biya avait enterré son Gambi, il a déterré. Connectez-vous, connectez-vous. Bipez tout le monde, la brigade anti-sardinale du UK est dehors. Ça va aller très très vite, les gars. Devant la marche. Le matériel est déployé. Voilà le van que nous avons pris. Voilà le van que nous avons pris pour projeter les images. Voilà. Connectez-vous, bipez tout le monde, parce que la brigade anti-sardinage du UK est dehors. En grand nombre. Voilà. Nous allons manifester notre colère dans les rues de Londres. Voilà mon colonel, mon adjoint, ma fille. C'est la prochaine générale des Amazones au UK. Elle dirige les opérations depuis le van. Donc, voilà, la brigade anti-sardinat du UK est prête à sortir. Nous avons mis les petits plats dans les grands. Et nous sommes devant l'ambassade de France. Voilà, nous sommes devant l'ambassade de France où nous allons déposer une plainte collective pour manifester notre colère. Nous sommes ici pour dire à la France qu'elle doit lâcher M. Biya. La France doit lâcher M. Biya. Complice. Sinon, nous ne les lâchons pas. Oui, oui. Nous allons boycotter tout ce qui est français jusqu'à ce qu'ils décident de laisser tomber M. Biya. Voilà. Et c'est pour ça que nous sommes là. Les Amazones sont sorties. Elles sont devant de la marche. Les combattants sont derrière le van. Et nous allons mener cette marche. Partagez, partagez les gars, partagez. Partagez le live. Ne vous occupez pas des sardinats et des clochards. Partagez le live. Faites circuler les gars. La brigade anti-sardinat du UK est dehors. Nous avons nos frères et nos sœurs du nord-ouest et sud-ouest qui nous ont rejoints pour cette marche historique. Parce que nous allons paralyser Londres aujourd'hui. Nous allons paralyser Londres. La générale Sandy a déjà galvanisé les troupes. Et les gars sont prêts à en découdre avec les systèmes européens qui supportent les dictatures reptiliennes dans nos pays. Nous sommes en plein Knightsbridge, l'un des quartiers les plus huppés de Londres. Et nous allons manifester devant cette ambassade. Nous allons exprimer notre colère. Et enfin, nous allons marcher vers le Parlement anglais pour leur déposer une plainte et leur dire que Madame Theresa May, qui a déjà du mal à partir avec son gouvernement et le Brexit, ne veut pas d'une autre crise sur son dos. Alors elle va prendre la décision qu'il faut et elle va se décider de lâcher les dictateurs en Afrique. Parce que si elle ne le fait pas, nous allons monter d'un cran. Voilà le combattant Kemta, le caporal Grillé, qui galvanise ses troupes. Généralement, je n'aime pas utiliser le mégaphone. On sait. Partagez, les gars, partagez, partagez. Partagez le live. Est-ce que vous m'entendez? Oui! Est-ce que vous m'entendez? Oui! Oui! Oui!
Kissavina. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Passe. Brigade Kissavina. Passe. Brigade Kissavina. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Tout à l'heure, le président Brice Mitchell vous a dit que Paul Biya a mis le président et une campagne en prison. Mais c'est plutôt Paul Biya qui est en prison. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Biya est en prison parce que vous avez empêché à Biya de sortir du Cameroun. Biya, c'est quelqu'un qui adore la Suisse. Biya n'aime pas le Cameroun. Et vous avez empêché à Paul Biya de sortir du Cameroun. Dernièrement, quelqu'un m'a dit, Chantal Biya est fâchée, elle était fâchée à la fin. Elle a raison d'être fâchée. Cette femme-là, elle est contente lorsqu'elle est dehors. Elle et son mari, nos Camerounais, ne l'aiment pas. Mais vous avez empêché à Paul Biya de sortir du Cameroun. Ça fait aujourd'hui 8 mois. C'est du jamais vu dans c'est vous qui avez empêché à Paul Biya de sortir du Cameroun. J'attends cette personne dit non, c'est le capoeira Guyen parce qu'il parle là-bas à Genève. Ce n'est pas le capoeira Guyen moi-même, c'est pas moi. Mais c'est vous. Mais qui m'envoie à Genève? C'est vous, c'est nous. Mais qui m'envoie à Genève? C'est nous. Mais c'est vous qui m'envoyez à Genève. Mais pourquoi vous m'avez choisi alors? Mais c'est vous qui m'avez choisi. Vous savez vous-même que là-bas, c'est un succès mondial. Vous croyez que c'est facile là-bas? Je vous raconte une petite histoire. Dernièrement, j'étais à Genève, vous m'avez vu. J'étais à Genève avec le général Sandy. On était là-bas pour une marche et le président dit, vous nous avez vu. À Genève, il y a des gens qui sont venus devant moi. Il me dit, combattant Kempta, vraiment mes respects. Il veut s'agenouiller, j'ai dit non, tu t'agenouilles pas. Il dit non, moi je, ce que je vous dis là, il y a les témoins. Je ne peux pas te saluer étant debout. Parce que moi je suis gardé à la banque, qui m'avait montré la banque, elle a devant moi. Mes amis ivoiriens, congolais, tchadiens, tous les Africains là-bas à Genève, l'ont insulté. Que tu restes dans ton bureau ici, alors qu'il y a quelqu'un là-bas, en train de dire au dictateur, à votre dictateur de rentrer au Cameroun. Mais vous le laissez là-bas seul chaque jour. Pourquoi? Le monsieur dit qu'il a eu honte. Il me dit merci pour tout le boulot que tu as fait. J'ai dit, mais c'est pas à moi. Après, c'est très fort. Il faut dire merci. Il faut dire merci au peuple camerounais. Parce que c'est Naounadon qui me donne grima. Pour aller là-bas, c'était pas facile. Si les gens pensaient que c'était facile, je vais vous expliquer. Il y a une autre personne qui a encore venu me voir. Il me dit, combattant, mes respects. Je vais te dire quelque chose. Il parle encore devant les gens. Moi, je passe devant l'hôtel Intercontinental. Il me dit, voici l'hôtel. Je passe là-bas avec ma voiture. Je vois la garde de Biaël là. Mais je pars. Alors que je ne pars pas à l'hôtel. Mais mon frère, où te vient le courage? Il va encore s'agir du non-stop. Pas d'agenouiller ici. C'est ton courage, c'est toi qui me donne le courage. C'est toi qui m'as donné ce courage-là. Quand je vous dis que j'ai démystifié Paul Biya, ça n'a pas été facile. Il y a eu des moments où j'ai atterri à l'aéroport de Genève. J'ai atterri à l'aéroport de Genève. Je glisse, je tombe deux fois. Alors qu'il n'y a pas de cailloux. Et c'est le caillou en Europe ici. Non. Et je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. Et celui a dit qu'ils sont partis le caméraman, il dit comme ça, je ne vais pas voir. Mais ce que je vous dis là, ça c'est des choses que je n'ai jamais dit à quelqu'un, mais je vous le dis aujourd'hui. Il dit combattant, moi je ne pars pas. Et comme ça, il m'abandonne à Genève. Il part, il abandonne là. Il dit papa, je peux avoir une place. C'est quoi mon père? Le tour aussi, je ne pars pas. Et il n'est pas parti. Il y a eu des moments où je suis arrivé à Genève, je n'ai pas posé l'action parce que si je dis que j'ai posé l'action, vous allez dire où sont les images? Et j'ai dormi à Genève pour trouver une autre prière. Allez faire la soirée. Donc il faut comprendre ce que je suis arrivé à Genève une fois. J'ai dit, voilà le rôle de Paul Biya. Il dit qu'il vient. Il dit, il ne peut pas filmer la gueule de Paul Biya. Il peut t'attirer. C'est bien. C'est bien. Il dit, non, 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 je vous dis. C'est pour vous dire, Paul Biya a
soutient ce parti, il a une sorte qui tient le Camerounais, mais nous l'avons démystifié. Nous l'avons démystifié. Avec votre pouvoir, parce qu'il fallait bien dire, parce que vous parlez au Guimala ici, non ? Vous parlez de ça. Vous parlez de l'église. Nous avons démystifié ce monsieur. Et là, je vous respecte. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous qu'on a fait ce boulot-là. Oui. Parce que quand je rentre à mon action, j'ai lu sur Internet, combattant, bon boulot, bon boulot, bon boulot. J'ai fait la statistique. J'ai dit le peuple ici, ils me veulent toujours dans ce combat. Si je lâche, ils sont morts. Et c'est pour ça que je continue le combat. C'est pour vous que je continue ce combat. Vous pouvez me faire confiance. Vous pouvez me faire confiance. Je ne vais pas vous trahir. Je ne vais pas vous trahir. Vous pouvez me faire confiance. Il y a une femme là-bas à l'hôtel. Quand j'arrive, elle demande à son collègue, est-ce qu'il a son truc de Camerounais dans ma gueule ? Vous montrez. Il y a raison de lutter. Vous devez lutter chacun dans le pays pour lui.
passé avec une image là. Ça va le baby. Ça va le baby girl. J'ai vu cette image là. Oh, Jess. Chers combattants. Oh, Jess. Nous devons rester unis. Nous devons rester unis et fort. Ce pouvoir est déjà tombé. Je vais passer la parole aux Amazones. Qui veut dire quelque chose? Voilà. Les Amazones. Yes, les Amazones. Yes, la parole est aux femmes. Et vous, écoutez, quelqu'un me demande encore, j'avais raconté la scène de l'Italie. Il parle du conseil du Vatican. Il parle du Vatican. Et il est sûr qu'au moins ce Vatican, le combattant qui est avant le 60 maintenant là. Même Dieu ne le protégeait pas. Ouais. Je vous assure. Pour la première fois dans l'histoire, l'image là vous n'avez jamais vu. Dans le président Nietzsche, il me dit que là où sont les images, j'ai dit la police, on les appelle les six. Ils ont tout pris mon rappel. Qu'est-ce qui s'est passé? L'IA est en train de sortir de la messe. Le pape est en train d'attendre. Et moi je suis ici. Qu'est-ce que Satan fait ce Dieu? Je sais que ça c'est moi. Je vous assure, vous n'avez pas vu. J'étais à mon rappel en une minute, j'étais médiocre partout en France. J'étais à mon rappel en quelques minutes seulement. Dis-moi, j'avais demandé comment est-ce que tu as fait pour te résumer ici. Vous savez que le Vatican sera la mort le plus grand. Mais le combattant est déjà la mort. You bad Wawa. You bad Wawa. You bad Wawa. Démystifier le Vatican. On a fini pour l'homme. On m'a retenu là-bas pendant 24 heures. On a fini l'Angleterre. Qui est ce monsieur? L'Angleterre, il a fait tous les informations du monde. Ils ont appelé même partout. Il se rend compte que je ne suis pas un terroriste. Et que c'est un travail que j'ai fait tout le temps. Tu vas pas. Et ils m'ont dit, mon frère. Mais je suis ici. On ne vient pas ici. On m'a gardé là-bas 24 heures. On ne m'a jamais gardé comme ça. Je dis, monsieur, vous voulez accepter Satan sur Dieu. Mais ça, c'est Dieu. Qu'est-ce que Satan veut faire? Ah, c'est le goût de ça. Le goût de ça. Le monsieur a tué. Il est mort. Et vous l'acceptez ici comment? Et dit, mais ça, c'est un peu le politicien. Et dit, vous dites, moi, vous voulez qu'il fasse comment? Combattant Kemta, j'ai le caporal grillé, il bat de moi. Vous confirmez au Camerounais que je suis. Le président Nietzsche m'a dit. Prends une photo au Vatican, et tu m'envoies, je mets ça. Je me suis filmé au Vatican, je me suis filmé à côté de la police, et puis la police est là. Sinon, ils sont venus. Donc, le gars est au Vatican. Lui, il est au Vatican. Les gars, partagez, balancez. Je vais te donner la parole. Merci mon caporal. Alors, je prends la parole de mon chef, le général patron de la brigade Andrew Sardina du Nuké. Camerounais, Camerounaises, nous sommes ici devant l'ambassade de la France
la journée internationale, la journée des mères. La fête des mères, c'est demain un royaume. On a le niveau d'Amazon de l'autre côté. La fête des mères, c'est demain. Une mère. On a le niveau d'Amazon. Hey, sérieuse, hein. Une mère, c'est celle-là qui donne la vie. Une mère, c'est celle-là qui donne l'amour. Une mère, c'est celle-là qui console. Une mère, c'est celle-là qui accompagne. Je filme aussi la nouvelle Amazon, là, ici. C'est la nouvelle Amazon. Pendant que les enfants sont dans le monde, nouvelle Amazon. Serena. Qui pendant que les femmes comme elle se garnissent des feuilles en brousse, mangent les gâteaux en étage. Quelle est cette mère qui n'a jamais mis pied dans un hôpital pour rendre visite aux femmes qui sont enfermées parce qu'elles n'ont pas d'argent? Nous sommes bien à l'ambassade de France. Quelle est cette mère? Vous laissez un message. Quelle est cette mère? Dans nos affaires. Est-ce une mère? Est-ce que c'est une mère? Est-ce que c'est la mère de la nation? Non. Et nous allons mettre fin à cette dictature reptilienne. Voilà. Ouais. L'ambassade de France. Ah, super. Nous allons mettre fin à cette dictature reptilienne. Ouais. Et nous sommes ici pour dénoncer afin que les puissances européennes arrêtent de suivre une apporte à M. Biya. L'Allemagne a commencé, Mme Angela Merkel a coupé l'aide au gouvernement camerounais. Les États-Unis ont suivi, ils ont coupé l'aide au gouvernement camerounais. Ouais. Nous appelons la France à couper l'aide et à arrêter le soutien à M. Biya. Macron, complice. Nous appelons Mme Thérèse May à arrêter le soutien à M. Biya. Okay, et puisqu'il faut que tout le monde soit d'accord avec ce qu'on dit, nous allons appeler tout le monde ici. Qui se fait? La générale.
Thank you.
Non, pourquoi? Non. Ils n'ont pas à nous dire ce qu'on veut. Ça, ça, c'est encore la colonisation mentale. Ça, c'est une colonisation mentale. Ils veulent que la vanne part d'un côté et non pas de l'autre côté. Non, pourquoi? Ils n'ont pas à nous dire ce qu'on veut. Ça, c'est notre colonisation. Donc, ça, c'est la dictature. C'est la dictature verbale. Ça, c'est une dictature verbale. Ça, c'est une dictature verbale, ça. That is verbal dictator. Why can't we say the words? What's going on in Cameroon? Our gas is good enough. Our gas is good enough for your home. Our petrol, our oil is good enough for your home. But our blood is worth nothing. Thank you.
Pardon va te reposer.
Nous sommes en direct de l'ambassade de France à Londres. Voilà, la marche est prête à partir. Les Camerounais sont en train de sortir. Partagez le live, faites circuler. Parce que Monsieur Biya va voir son mamie Pelle aussi. Oui. Oui. La police sardinale est là. Mais le peuple est dehors pour dire non à Monsieur Biya. Nous sommes sortis en grand nombre. Et vous avez vu, le Digiban va lancer tout de suite. Nous allons sortir. Ils ont notre sang dans leurs mains. Nous allons dénoncer. Le sang des Camerounais. Le sang des Camerounais dans les mains. Monsieur Biya, vous avez le sang des Camerounais dans vos mains. Mamie Touftouf, vous avez le sang des Camerounais dans vos mains. Monsieur Macron, vous avez le sang des Camerounais. Je pense ici à Maître Ndoki, l'égérie de la résistance. Cette femme dont le corps a été transpercé de balles. Je pense ici à Célestin Djamel, qui a été transpercé de balles. Je pense ici à tous les prisonniers. Jean Bonheur Tuafa. Je pense à tous les prisonniers. Paul-Éric Kingé. Christian Pédaïkoka, nous sommes de tout cœur avec vous et nous allons résister jusqu'à la fin. Je pense ici au président du Nord-Ouest-Sud-Ouest, M. Ayouk Tabé. Je pense ici à tous les prisonniers que M. Biya a mis à prison de façon arbitraire parce qu'il ne peut pas accepter qu'il a perdu la face. Parce que M. Biya ne peut pas accepter que la fin de son régime a sonné. Alors, M. Biya, si vous ne voulez pas sortir de Toudi, nous allons vous déloger de Toudi. La résistance est bel et bien debout et c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare, c'est jusqu'à Toudi. Nous n'allons rien relâcher jusqu'à Toudi. Voilà. Nous n'allons même pas bénéficier. Quand le changement, c'est pour tout le monde. Et quand tu assistes à une injustice, et quand tu ne te lèves pas, pour dire que tu es... Monsieur Biya, les femmes sont dehors. Et comme on dit si bien, ce que femme veut, Dieu le veut. Nous allons vous débusquer comme un rat. Nous allons vous déloger de Toudi. Parce que le peuple est fatigué. Le peuple en a marre de vous. Les hôpitaux de référence où on fait des selfies en faisant de la ressuscitation. Mais vous êtes malade ou quoi? Ça se passe dans quel pays? Le nouveau pont que vous avez fait, vous nous avez montré une maquette. Vous nous avez montré une maquette de façon pompeuse. Vous nous avez dit combien ce pont avait coûté. À la première petite pluie, ce pont est submergé. Monsieur Biya, vous êtes la honte de l'Afrique. Vous êtes la honte du Cameroun. Nous avons honte de vous. Vous êtes incompétent. Vous devez dégager et donner la place à ceux qui peuvent travailler pour ce pays. Monsieur Biya, nous n'allons rien relâcher et ce sera jusqu'à la fin. Vous aurez beau envoyer vos émissaires, la résistance de la diaspora est debout, bel et bien debout. Et nous allons vous débusquer comme un rat. Alors les gars, partagez le live, partagez. Parce que quand on va lancer la marche tout à l'heure, ça va chauffer.
Nous sommes encore dans les phases préliminaires. Les Camerounais sont en train de rejoindre la marche. Les Camerounais sont en train de sortir. Aujourd'hui, nous allons dénoncer tous les crimes de M. Biya. N'en déplaise aux autorités anglaises, nous allons dénoncer. Nous sommes là pour dénoncer et nous ne rentrerons pas tant que nous n'aurons pas dénoncé. Ça vous détruit, ça vous perturbe peut-être, mais que pensez-vous de ces enfants qui voient leur maman tuer tous les jours? Ça vous perturbe. Vos enfants n'ont pas le droit de voir des images violentes, mais nos enfants le vivent tous les jours. Nos enfants le vivent tous les jours. Nos enfants se couchent sur le corps de leur maman, baignés de sang. Alors aujourd'hui, nous allons dénoncer et rien ne va nous arrêter. Rien ne nous arrêtera. Je leur ai dit, nous leur avons dit, nous sommes ici pour manifester. Et si vous nous empêchez de manifester, alors vous ferez mieux de nous arrêter, nous tous. Vous ferez mieux de donner le même traitement que vous donnez au Cameroun, c'est-à-dire bastonner les gens, les embastiller, les enfermer. Alors, nous sommes là pour dire ça aux gens. Les autorités anglaises qui ferment les yeux sur ce qui se passe au Cameroun, nous sommes ici pour dénoncer. Et nous allons dénoncer. Et rien ne nous empêchera de dénoncer. Rien ne nous empêchera de dénoncer les crimes qui se passent au Cameroun. Voilà. Alors c'est ça. Il faut galvaniser les troupes parce que c'est l'heure de partir. Nous allons galvaniser les troupes. Vas-y. Voilà, les Amazones sont devant. Les Amazones sont devant. Ouais. Partagez le live, les gars. Partagez. Faites circuler, envoyez aux gens. Parce que aujourd'hui, on va chakala Londres. La générale Sandy et ses troupes, avec le combattant Kemta, lorsque nous lançons la marche, Londres va entendre parler de nous. Nous allons bloquer les rues de Londres. Aujourd'hui, ces rues seront bloquées. Aujourd'hui, ils vont demander ce que ce peuple veut. Aujourd'hui, ils vont s'enquérir. Voilà. Nous ne sommes pas ici pour blaguer, M. Biya. Vous avez détruit nos vies. Tous ces gens qui sont ici ont fui le Cameroun à cause de vous. Alors, nous revenons vous mordre au pied. Voilà. Salut, mon fils. Oui. Donc voilà, partagez, Camerounais de Londres, sortez. Ceux qui m'ont écrit en inbox, si vous n'êtes pas là, vous n'êtes nulle part. Nous allons faire un événement aujourd'hui. Quelque chose va se passer tout à l'heure. Celui qui ne regarde pas ce direct ne verra rien. Il aura raté. Parce que ça va barder. Ça va chauffer. Monsieur Biya, nous allons forcer vos alliés à vous laisser tomber. Monsieur Biya, nous allons forcer les puissances étrangères à vous lâcher. Parce que c'est grâce à eux que vous continuez à avoir l'oxygène qui vous permet de vivre. Les caisses d'État sont vides, il n'y a plus rien pour payer les fonctionnaires. Les enseignants sont en grève, les militaires démissionnent. Monsieur Biya, où est passé l'argent du pays? Où est passé l'argent du pays? Où est passé l'argent du pays, Monsieur Biya? Alors nous sommes là pour vous dénoncer. Voilà, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Les Camerounais sont là pour dénoncer. Et nous allons dénoncer. On n'est pas prêts à s'arrêter. Voilà. Nous sommes nombreux. On ne va pas continuer à pas. Voilà, les Amazones sont devant. Nous avons 6 ans de zombification. Dans 6 ans, c'est trop. Il est temps qu'on se réveille. Il y en a marre. Il y en a marre. La nuit ne dure pas 24 heures. Même si la nuit dure 23 heures, il y a une heure au moins pour la journée. Et cette fois-ci, on dit que c'est le jour. Le jour, c'est le jour. Ah, c'est aussi, tu en as marre de subir. Et surtout, soyez nombreux. Et cessez d'avoir peur. C'est parce qu'ils savent, ils vous testent. Ils vous testent, ils savent qu'on ne connaît pas. Mais si vous sortez nombreux, à un moment donné, bien sûr, c'est pas dans la Algérie. Si vous sortez nombreux, à un moment donné, ils auraient baissé les mains. Ils vont comprendre que non. Avec ces gens aussi, je ne peux plus blaguer. Ils ne peuvent pas envahir tout le monde. Ils ne peuvent pas mettre 1000 personnes en prison. Ils ne peuvent pas mettre 2000 personnes en prison. Ils ne peuvent pas mettre 10 000 personnes en prison. Sortez. Sortez pour l'avenir de vos enfants. Le président, comme vous l'avez dit, je laisse mes enfants juste sortir. Il est sorti, il a conduit les hommes. Et voilà maintenant qu'ils sont tous en prison. Donc toi, tu dois sortir, il était dehors pour toi. Toi, tu ne dois pas rester chez toi. Le samedi 6, on veut te voir dehors. Tu peux être en train de dehors. Tu ne sais pas si tu es comprise. Tu es d'accord avec tout ce qui se passe là-bas. Voilà. Tu veux parler? Good girl, well done. Good girl. Voilà l'avenir de la résistance.
la nouvelle génération de brigadiers et brigadières. Nous avons les réserves sur 50 ans, monsieur Bia. Nous avons des réserves sur 50 ans. Voilà les femmes de demain qui vont vous tutoyer. Comme vous voulez vous agripper au pouvoir, ma fille, parle. Comment on... Parle, ma fille, parle. Parle. Comment c'est ça? Hello. Just say, anything. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes ici, s'il vous plaît? S'il y a de nouvelles personnes. My daughter wanted to Colombia is such a fraud. He is such a fraud. For how long has that man held our country hostage? For how long will we carry on killing babies inside of their womb? For how long are we going to be shouting? I'm here with my family, my daughter, my girl. I will not begin to imagine how many women in Cameroon are crying their babies that they have lost since this struggle started. Every day I say I'm blessed, and I do bless God, because my kids over here are safe, they are warm, and they do have something to eat. But I am fed up! I am fed up with what women are living in Cameroon. I am angry! I am angry! I am so angry! Because my stepmother, which is England, is killing my mother, which is Cameroon. Why would England agree on such a death deal when kids are being killed? Why? Why? My people, why? 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 I have enough! Enough is enough. My daughter came here to say Paul Biya is a fraud. How do you begin to explain a 10-year-old why your president is a fraud? How? Over here they have everything. They left nothing. But how will she feel to go in her motherland and see nothing? Because I have nothing. 37 years is enough. 37 years is too much. This is fake blood. Blood in their hands. I wish they were real ones. Blood in their hands. Because at times I want to hurt myself. Blood in their hands. Don't understand how tough the one back home with nothing feels. Sometimes I wish to see my own blood. To imagine the woman who's giving birth in the bush, looking for her top to wrap up the baby that she just had. Leaving herself naked. Why does Colombia keep on doing this to this population? Are we not human? Are you not human? Is that man different than us? When you cut him, does his blood go green? I believe it's red. It's red. It doesn't matter the color that you are. It doesn't matter where you come from. If you are caught, you will see red blood. And that blood, I have seen enough. I have seen the blood from the unborn. I have seen the blood from the ones who just trying to do the steps. I have seen the blood of the young kids trying to reach a farm, but never didn't make it because Bia and his policeman are there
to shoot and liquidate whatever they can see or whatever. I have enough! 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 Enough is enough! So the police here today, they say they're not going to allow us to do what we came out to do. What they knew! They knew what we were coming to do! Oh! See you! They knew, but now see them, eh? Although you can't because we are tired of colonies. I am tired! Black life matters. Black life matters. Thank you. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes ici qui aimeront faire partie? Il y a un groupe WhatsApp. Yes. Il y a un groupe WhatsApp, je vais passer, vous allez me donner vos coordonnées. Et si on pourra vous rajouter dans le groupe WhatsApp, vous serez tenu au courant des différentes activités. Il est temps qu'on galvanise. C'est mort. Oui. Il faut pas... Maman, qu'est-ce qui est tombé? C'est même. C'est le big. Attends, pardon. Hey, yeah!
1500 livres. Bon, 1500 livres. Ils nous ont dit que c'était bon. Maintenant, ils disent que ça ne marche pas. Et vous allez accepter ça? Non. Le chassement. Nous allons marcher avec la voiture. Ah, Kala. On va marcher avec la voiture. Nous commençons à se regrouper, non? Celui qui ne veut pas. Il va apprêter ses choses parce que Wigo Chakal a de Bona. Wigo Chakal. Wigo Chakal a de Bona. Toi, je mets d'abord mon téléphone dans mon sac. J'ai dit que Wigo Chakal a de Bona. Parce que là, ça commence à monter. Ça commence déjà à monter. Ça a déjà commencé. Hey, yeah. Fouf. Le mot quoi les gens continuent à mourir dans les hôpitaux. Il n'y a même pas les problèmes, les médecins viennent
le Mougoua Wise. C'est comédien. Le gars n'a pas proposé, mais son nom sort. Il a passé. Parce que l'enfant du président, l'enfant du gouverneur, l'enfant du président, on va pas voir les gens, ils vont toujours laisser. Mais j'ai dit que le dossier. Le Mougoua Wise. Il n'y a même pas de route. Tu prends ta voiture, c'est ta carte que tu as achetée, tu fais voiture pour acheter. Tu prends le chemin, c'est le Dogo, tout c'est quoi. Les roues, pas de ces personnes, c'est comment, 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 comment. Les assassins, un condengi,
En Kondengi. Parce qu'on va chanter et on va danser. 5%. Oui, 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 oui. Ah, quel est... Mais tu as le papier. Tu as le papier. Je connais, elle m'aime pas. Je connais, mais je ne le dis pas. Non, mais je ne connais pas ça. Je connais, mais... Je... Ouais, ouais. Tu as le papier. Non, 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 j'ai le papier, mais ça va. Oui, oui. Mais il faut que si on chante, on connaisse ce qu'on chante. Ouais. Ouais, quand même. Il y a au moins un YouTuber qui passe à même temps. Bah. Il y a l'hymne de la Renaissance dans les choses là. Oui. Quand on lui demande le choix alors. Oui, si il y a ça non. Oui. Qui connaît alors le titre de la chanson? Quelle playlist? Juste la Renaissance. L'hymne de la Renaissance. Non, il veut qu'on éteigne. Quand on marche, on éteigne. On arrive maintenant là-bas avant qu'on allume. Ils ont honte, ils ne connaissent même pas les vidéos que nous on avait. On avait les vidéos qu'on a tirées le matin avec l'enfant sur le dos. Ils ont dit non, laissez. Donc ça c'est le propre. C'est le propre qui est en train de pleurer comme ça. S'ils voient. Non, comme ils veulent qu'on éteigne, non. On arrive là-bas avant d'allumer. 1500. Maman, c'est quelqu'un qui dit que. Et c'est qu'ils ont dit qu'ils n'ont même pas vu la popo de la... La popo, ils ont peur de ça là. Ils partent nos os. Ils partent nos os. When injustice becomes law, resistance becomes a duty. We must resist. We must resist. We must resist. Maurice Kamto was the elected president of Cameroon. October 2018, Maurice Kamto was the elected president of Cameroon. But he is now in Kondengi. The national prison in Yaoundé, he is now in Kondengi. Why? The person who was not elected president is at the Unity Palace. Celui-là parle quoi là-bas? Who is at the Unity Palace called Popia? He's been there for 36 years, counting, and he still wants to be there for many more years. He has chosen to put everyone that is against him. He has chosen to arrest everybody that is against him. He's jailing everyone that is against him. That is what he's doing. Definitely everyone that is against Pomia is in prison. If you are not yet in prison, know that you are on your way to prison. He sent his army. And they kill people at random, arrest people at random, burn houses, kill children, kill brothers, kill fathers, rent families, displaced families, send them in bushes, send them in neighborhood Nigeria, send them in other places. Ça attire l'attention et maintenant les gens aussi mettent l'œil sur le Digivan.
He wants to rule the country. A president that is ruling for himself and not for the people. L'hymne de la Renaissance, l'hymne de la Renaissance. Let her finish. When the election came, after all the ministry, 37 years of ministry, the Cameroonians, they rejected this dictator, this 87 old man. Rejected. He was rejected on the 8th. He was rejected. On October 2018, he was rejected. He was rejected. Yeah. He was rejected. He's a fraudster. He chose to kill people. That is all he does. Why his ministers? Oh, yes, of course. Oh, no, you will take that. Oh, God. Non, qu'il ne faut pas qu'on oublie. Parce que les Français vont venir jeter ça. He spent all his time. On peut pas oublier. On va faire l'argent. Oui, on va faire avec ça. He spent all his time. On va oublier ça. In Switzerland. Ah, Général Sanji. Wilson Jarry. On the other way, it just seems to be